Wow. Les amis, c'est incroyable. Je connaissais pas du tout Dragon Ball. Mais là, mais j'ai vu Dragon Ball Evolution, c'est une merveille. C'est du génie cinématographique, vraiment. Il faut le regarder. Salut à tous les cinéphiles, aujourd'hui on va parler du film Dragon Ball Evolution, réalisé par James Wong, sorti en 2009, avec comme acteur principal Justin Chatwin dans le rôle de Goku et James Marsters dans le rôle de Piccolo. C'est l'adaptation du manga Dragon Ball, non pas Dragon Ball Z, Dragon Ball. Donc le film nous raconte la jeunesse de Sangoku. Dans les mangas il est enfant, mais dans ce film il est adolescent, et en fait il est à la recherche des Dragon Ball, comme dans le manga, et il va rencontrer plusieurs des personnages principaux de l'univers de Dragon Ball, à savoir Yamcha, Shishi et Piccolo. Alors, je vous arrête tout de suite, je ne connais pas le manga, je ne connais pas les suites, je ne connais rien de l'univers de Dragon Ball, je ne connais rien des mangas. C'est un avantage aussi parce que j'ai vu le film en ne connaissant absolument rien, j'ai quand même été déçu. Ben on va passer à la note. Ouais, 1 sur 10. J'ai été sympa parce qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé sur ce film. On parle pas trop de l'équipe technique, les pauvres. Mon dieu, les pauvres. S'il y en a des fans là-dedans, les pauvres, mon dieu. Et il faut bien avouer que les boules magiques, elles sont jolies. Je sais pas, les boules magiques, c'est les boules de cristal, mais c'est pas grave. Elles sont vraiment très belles, mais pas plus. J'ai enlevé 9 points par respect pour les fans de l'œuvre originale parce que c'était pas possible. Point positif, il y en a pas. Point négatif, il y en a pas mal. Le premier, certainement le plus gros d'ailleurs, c'est l'ambiance donnée au film. Vous avez une sorte de série B pour adolescents. Vous savez, ce genre de série ou même de film que quand vous les regardez, vous êtes instantanément mal à l'aise devant par l'ambiance mielleuse, nulle, niaise qu'il y a. Vous savez, ce genre d'histoire d'amour entre un adolescent, machin, lui, il est pas bagarreur. C'est nul, c'est insupportable. Les fans de la série, du manga, pardon. Mais je vous lance de l'amour. Vous avez du courage de l'avoir regardé parce que c'est affreux. Même moi qui suis pas fan, mais j'ai passé un mauvais moment. C'est l'un des rares films où la moitié du temps... je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde là, c'est pas possible, on peut pas sortir ça. Surtout c'est de la Fox, comment ils ont pu oser sortir un truc pareil. En second point négatif, on va parler des effets visuels, qui... on a la Fox en production, ils ont quand même sorti des trucs qui sont des chefs-d'œuvre, mais là, je sais pas qui est-ce qui était aux commandes des effets spéciaux, mais c'est pas possible, c'est dégueulasse. Ça se voit que c'est faux. Vous savez, ce genre d'effets visuels où... Le personnage, t'as l'impression qu'il marche vraiment sur un truc en vert, un fond vert quoi, c'est vraiment comme moi derrière là. C'est pas beau, c'est mal fait. Non, c'est nul, tu peux pas sortir ça, surtout qu'il y a de la matière. On va parler d'un troisième point négatif, le hasard ça fait le café, ça y est c'est décidé. Non parce qu'à un moment donné, ils sont dans un trou, ils sont pris au piège, et je crois que c'est Yamcha qui les a piégés. Ils sont dans un trou, ils sont à quoi, 5 mètres? D'un coup ils détectent une Dragon Ball sur un volcan. En dessous du sol, ils remontent pas, non, c'est vraiment en dessous. Ils creusent dans la roche, il y a un volcan sous terre. À la limite, ils nous expliquent dans le film qu'ils ont traversé un portail dimensionnel. Ok, je veux bien, moi je connais pas l'univers, peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Mais là, s'il vous plaît, soyez un peu sérieux. Sous la terre, il y a un volcan, il y a la Dragon Ball, machin. Il tue des sortes de squelettes bizarres, il les balance dans la lave, Goku il saute dessus pour aller chercher la machine. Non, je veux bien que ce soit pas réaliste, les comics aussi c'est pas réaliste, mais mec, la lave, tu marches pas comme ça, ça passe pas pareil dans la vraie vie, mais bon, c'est un manga, ok, on met ça sur la tête du manga, mais quand même, soyez un peu sérieux les gars, c'est pas possible que le hasard fasse autant le café. En quatrième point négatif, bon, on va être un peu gentil. Piccolo, ils ont eu quand même le cran d'engager une maquilleuse, parce que bon, on sait jamais, hein. Mais même le personnage, il est fumé, quoi. Il est censé être là pour détruire le monde, tu le vois jamais tuer quelqu'un. Et c'est même pas une blague, hein. Il détruit à la limite la maison du grand-père de Goku, mais tu le vois pas directement le tuer, en fait. Il est pas méchant, il est pas charismatique, t'as l'impression qu'il est perdu. Le mec, il est tout le temps sur son vaisseau à la con dans les airs, là. Et toujours il y a une musique de merde qui arrive. Une musique qui te fait genre. Qui te donne une petite impression de. Waouh, il est dark, il est méchant. Mais non, il est perdu, l'acteur, il est perdu. Autre point négatif, Goku. L'acteur. Alors. Si ça s'appelle jouer. Alors moi je suis champion du monde de rugby parce que c'est pas possible. Le mec à un moment donné il est énervé. Il fait ça.
C'est quelle expression d'énervement ça. Et après il fait une sorte de baston, une soirée machin, c'est nul, mais nul, juste pour aller séduire Chichi. Alors je ne connais pas la relation, puisque je ne connais pas le manga, je connais pas la relation entre Chichi et Goku dans le manga, mais je suis certain que c'est une insulte encore. Une insulte de plus pour le manga, parce que Goku il est nul, mais il est vraiment nul. Ils essaient de rendre le film stylé et Goku stylé, avec des poses, tu vois, il est sérieux, il regarde Piccolo de loin comme ça, là, avec la tenue, comme dans le manga, la tenue qui était à son grand-père dans le film. Tu vois, il la porte, il la met en une seconde, le machin, tu sais pas comment il a fait, mais bon, le hasard, ça fait le café, t'inquiète. Il est comme ça, là, il porte la tenue, il est fier de lui. T'es nul. Alors, le film ne dure que 1h20, alors, une anecdote, hein. Quand je l'ai vu, que j'ai vu en dessous la durée du film, j'ai cru qu'il avait écrit 120 minutes. 120 minutes, c'est 2 heures. J'ai eu peur, hein. Puis non, le film fait 1h20, heureusement. Les fans qui, pendant 1h20, vont se faire cracher dessus, ne vont pas voir leur souffrance durer trop longtemps. 1h20, c'est le temps max pour vomir 3-4 fois, pour avoir envie de se suicider 2-3 fois. Tu sais, pendant que tu regardes le film, t'as quelques recherches à faire, tu sais, tabouret, corde, pistolet, tu vois. T'as quelques recherches à faire, histoire de calmer ta douleur, parce que 1h20 de ça, mais même 1h20, ça fait très mal. Hein. Moi qui connais pas le manga, voilà quoi, ça fait très mal. Le film possède une scène post-générique. C'est pas une blague. Les mecs, quand ils ont fait le film, ils se sont dit, les gens vont aimer. Les gens, ils vont vouloir une suite. Je sais, et c'est là où le film fait quand même l'effort, que c'est très dur d'adapter les mangas, surtout les mangas dans le monde, en film en fait, avec des vrais acteurs, parce que déjà tu vois le style, comment c'est dessiné, même les mangas dans, en général. Dragon Ball c'est vraiment spécial parce qu'ils sont énormes, ils ont des coupes comme as les types, c'est impossible en fait, c'est quasiment impossible parce que ça paraît tout de suite ridicule, ou alors il faut énormément de CGI, et c'est vrai que quand il y a trop de CGI au cinéma, ça rend un effet très baveux, je trouve. Après, c'est d'un point de vue personnel, mais c'est pour ça aussi que c'est compliqué. C'est que sans CGI, de partout, tu peux pas adapter des mangas. Donc c'est principalement pour cette raison que je pense que c'est beaucoup mieux d'adapter les mangas en version film animé. Vous avez vu qu'il y a le dernier Dragon Ball, j'ai oublié le nom, qui est sorti de mémoire. Je me souviens qu'il a très bien marché et les gens étaient très contents de revoir un bon Dragon Ball au cinéma en plus. Donc tant mieux, les gars, continuez à faire ça en animé, c'est toujours mieux. Et pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, je ne suis pas le beau parleur du cinéma. Il nous a gentiment invités sur sa chaîne, donc je le remercie. Vous pouvez vous abonner, liker, partager. Vous avez vu, on a fait un effort. En même temps, c'est Michael Yanwash qui a déjà fait les montages de certaines vidéos du Beau Parleur du cinéma. Donc ça n'a pas été trop compliqué. Mais voilà, on voulait être d'accord avec son univers. Donc on vous remercie et nous on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde! J'ai passé toute la vidéo à massacrer le film. Mais après, quand tu vois nos adaptations de BD au cinéma... Hier soir, j'ai quand même regardé Gaston Lagaffe. Hein. Alors, Gaston Lagaffe, Dragon Ball, je vais à Noël.